Parce que justement, si on veut être en liberté et pas être derrière des barreaux, on est obligé d'accepter des conditions souvent qui sont antidémocratiques. En tout cas, moi personnellement, je me suis décidé de ne plus assigner des conditions comme ça. Mais à toute fois qu'on est devant cette situation-là, on les signe. Je salue les gens qui refusent de le faire. Puis je salue les gens qui ne peuvent pas justement être ici parce que justement, ils ont peur de ce qu'eux pourraient faire, se faire kidnapper et des trucs comme ça. Puis c'est pas payant pour eux autres de venir à une manifestation, de se faire arrêter, puis de mettre leur condition de libération en jeu, puis de mettre tout le procès. Puis souvent, même moi, je suis le premier, j'ai des charges qui sont criminelles, j'ai des dates de procès pour l'année prochaine, mais j'ai pas de condition de libération. Il y en a d'autres que c'est pas le cas. Donc, salut à ce monde-là. Ouais, je ne pas être là aujourd'hui pour se battre. Moi, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui avec vous autres. Il y a deux groupes également de rap français. On vous a fait écouter les tunes un peu avant. On va leur donner le temps si vous voulez. Je trouve que ça ferait une belle action directe. Tout le monde masqué. Qu'on fasse du vidéoclip ensemble avec les pancartes. Justement, si vous voulez les prendre, mais qu'on prenne la rue, il y a des affiches tout autour de la statue de la Victoria. Vous pouvez les prendre, ça nous fait plaisir. C'est pour ça que Super Becky a fait les affiches. Je salue les gens qui ont travaillé sur l'événement. Becky a donné énormément de temps. Puis il y a d'autres gens aussi qui ont fabriqué les bannières. On a également un super donateur à la ville qui a participé à tout le monde. Je vais dire merci aujourd'hui pour tout le monde. C'est vraiment important. C'est ça. C'est bon. Salut tout le monde, qui croit cet événement-là. Partagez vos liens, également si vous voulez. Si vous avez un téléphone intelligent, partagez le stream de Ricky pour vous. Si vous êtes à la page de Merci à Marc pour l'animation qui fait depuis 3 ans. Merci à tous ceux qui ont aidé. Je vais aller faire ce pot. Bon, j'ai plus mes papiers pour la speech, puis je suis vraiment pourrie là-dedans. Je déteste parler devant le monde. Mais si Rick peut se sortir un peu, je vais être capable de lire à l'écran à cause qu'il y en a un qui est là. Fait que, on va commencer comme Marc a dit. On a perdu un grand camarade le mois passé. On va commencer par vous présenter une vidéo dans le fond de cette plutôt une de ses dernières actions et non sa dernière action. Et ensuite, on va vous présenter un autre vidéo qui est dans le fond son dernier texte et en primaire aussi sa dernière action qui n'a pas été diffusée, fait qu'on a ça juste pour vous autres à soir. Un petit mot aussi, quand ça va être tout fini, c'est sûr, il nous a fait un petit peu de temps pour qu'on puisse débarquer la génératrice, aller la porter avant qu'on avance. Aussi, si vous avez des poubelles, très important, des déchets, des verres, quoi que ce soit, avant de quitter les lieux, l'environnement est super important, fait que ça serait le fun qu'on laisse pas des déchets comme l'année passée, il y en a eu. Et, voilà beaucoup. Tout bon militant se doit d'être vert! C'est ça, je vais présenter le premier vidéo. C'est vraiment pas long, là, que ça me tente pas non plus qu'on reste ici pendant 4 heures de temps, là, ça fait déjà un bout de son étude. Fait qu'on va sauter ça. Ça se peut que vous ne puissiez pas entendre la génératrice, dans le fond, elle fait bien du bruit, mais vous allez voir des images, puis imaginez-vous des mots dans votre tête.